Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape 9 de Need for Speed The Run. Je dirais version 2, puisque la première vidéo d'une n'était pas d'une très grande qualité, pour ne pas dire à chier. Et surtout qu'elle a été bloquée à cause d'une musique du jeu. C'est la première fois que ça m'arrive, puisque d'habitude, quand il y avait une musique reconnue par le logiciel YouTube, c'était juste pour ne pas monétiser la vidéo. Bon, n'ayant qu'une centaine d'abonnés, j'en suis très loin de le faire. Par contre, celle-là, à cause de musique, elle a été bloquée pendant un petit moment. Donc du coup, j'ai essayé de supprimer la musique de la YouTube, ça a été à chier. Tu gagnes des terrains, c'est Et bien, allez. Madame Lorgames a eu une superbe idée, c'est d'enlever toutes les musiques du jeu, en fait. Donc maintenant, je suis plus emmerdé. Il n'y aura que le son de la voiture, des voitures. Et on va ça proprement. Donc l'étape 9, je l'avais déjà finie. Elle m'a dit que j'ai oublié. Et c'est parti. Bon, il dit pas grand-chose pour l'instant, mais on est plutôt bon. Aspiration. Hop là. Ah, cette Porsche est toujours aussi fragile. Bon, c'est ma faute là. J'ai été très très optimiste. Mais bon, doubler la voiture lambda plus l'adversaire, ça n'a pas été très tranché. C'était pas nécessaire de me remettre comme ça sur la route et j'y allais toute seule. Oh, elle est là, cette fille. Ah, oh, oh. Oui, j'ai fait de la merde. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas vu que j'avais traversé la tranche. Ouais, dans la première partie, je n'ai pas pris ce raccourci. Je me suis dit, faut que je le prenne la prochaine fois. Bon, là, on ne se touche pas. Là, il a été déjà pris. Et il est très efficace. Exactement ça. Ouais, c'est au même point que lors de ma précédente vidéo. Bon, là c'est ma faute, j'ai poussé tout dans le temps. Oh, je l'avais pas vu lui. Ah non! Faut pas leur laisser espérer. Il faut avoir les yeux partout. Il faut avoir les yeux sur le chrono. Il faut quand même avoir les yeux sur les virages qui arrivent. Et également sur les voitures qui arrivent en face. Ça devrait suffire. Et on passe très vite. Mais bon. Bon, c'était pas trop mal à part ce qu'il y a fait dans la photo. Donc on est déjà 18e. Bon. Je me demande si j'ai pas été meilleur cette partie-là. Et je crois que oui. Bon, les temps de changement sont toujours aussi longs. Donc, nous sommes 18e et j'ai quand même fini l'étape 9. Et du coup, j'ai mis 1h58, 36 pour arriver à l'étape 10. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Bon, là, je rigole, je sais ce qui nous attend. Encore gagner des positions. Oui, ça change parce que l'étape précédente c'était plus survivre que faire la course. Donc, ça fait du bien de juste faire la course pour gagner des positions.
Hop là, à l'intérieur, à la police. Code 3 vers l'ouest sur la I-75. Yeehaw. Bien reçu, la nouvelle position. Reçu, ça devrait s'afficher. Ah, on peut changer de voiture, mais je suis très content de ma Porsche. Il est très rare. Vous avez constaté que je me plains souvent de la voiture. Là, non. Franchement, la Porsche, c'est cool. Et vraiment. Ouais, demande toutes les unités sur 1073-8. Bien reçu, ouais. Plein pot là, je l'ai dit trop tard. Alors, je me plains pas de la Porsche, hein, parce que en termes de maniabilité et tout, c'est super. Par contre, elle est hyper fragile. Je crois que les autres voitures, il fallait que plusieurs tampons avant d'exploser. Ah, et Phantom qui envoie une voiture. Ça aide pas. Ah, le voilà, la porte est contente, je vais te poursuivre. Mais je suis pas tout seul là-haut. Oh, vraiment, la ville, m'arrache le bandé. Oh, merci de m'avoir remis sur la piste, que là, c'était perdu. Le barrage a rien donné, poursuite code 3, code 3. Toujours mobile, il roule. Toujours 3-3 au renfort. Bien aimé la petite pichenette, là. Contre le poteau en plus, comme de par hasard. Je vous jure. Ouais, je rigole, mais c'est très frustrant. Ils sont très 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 armés. Là, j'ai pas compris par contre. Je demande le ralenti. Non, sérieusement, j'ai dû manger souvent le recoin et donc c'était hors de la zone. 3-3 en renfort, en renfort. Ah, ce coup-ci, on a pas pris de l'adversaire. Il a du mal, beaucoup de mal. Faites gaffe, je suis au contact. Négatif, il continue, à vous. Une percutée, on va lui faire poser. Hein. Ouais, c'est fait loyal. Rien, là, si. Double SP. Droite esquive et nous font des renforts. Ça c'était beau. Unité d'interception bientôt en position. Ah, ça c'est moins beau par contre. Trop de dégâts, je vais m'arrêter. Oh non, mais j'ai perdu toute mon avance à cause des flics. Oh, ça vient d'un peu partout. Oh, les enfoirés. Oh non, faut que je recommence. J'avais fait vachement mieux la dernière fois quand même. Mais je crois que j'avais utilisé un replay manuellement. Oh non, ça c'est injuste ça. J'aurais dû continuer à accélérer quand même après avoir envoyé chier le flic. Bon. Bah, ce sera moins bien que ma partie d'avant. Moi, je suis déçu. Bouh. En plus, faut que je me la retape, quoi. Et surtout ça. Et dommage, j'étais bien quand même. Bon, la police au fesse, c'était pas top. Franchement, j'avais demandé la micro et je l'ai pas eu. Plusieurs codes 6 en vue, poursuite code 3 vers l'ouest sur la I-75. Youhou. Ok, vous me dites où vous êtes. Oula, ça devrait s'afficher. Ouais, deux fois, décidément.
Repère du visuel code 6, je le cherche. Ils veulent tous m'envoyer chier, évidemment. C'est qui part en tête à couille. Oh, oh là là, oh c'était beau ça. On a postérité. C'est dans la boîte. Affirmative, poursuite, bon pour le barrage. Mets-toi le barrage, rien donné, poursuite comme 3, comme 3. Voyons, on va mettre le fond du monde. Non. Bon, ça va. J'ai juste perdu du temps et j'ai pas passé. Ouais, je continue d'accélérer du coup. C'est sympa les flics percutés, hein. Ça fait super effets, ça serait cool. Mais ça fait perdre du putain de temps. Faut les rattraper les dojos. Le feu il m'attend pas. Ouh. Mais voilà, mais je perds. Ça me fait perdre un temps monstre ces conneries. Moi je vais bien moi les éviter de les percuter. Ça, il faudrait qu'ils arrêtent de me percuter déjà. C'est le roi de l'esquive, il nous faut des renforts. Compris, les unités Delta se mettent en place. Non, non, foiré, c'est bon. Oh là là là. Oh, j'ai failli me faire griller à la fin. Voilà, les flics m'ont laissé peinard à la fin. Donc nous sommes 12e. Ah oui, 1385 en expérience. Ça, on jette. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on l'a déjà affronté celle-là. Je me demande même si c'est pas après la première ou deuxième étape. Mais il y avait deux nénettes pour se battre pour la. Ah non, pour la 50e place, ça serait plutôt près de Las Vegas. Non, 50e place, c'est Chicago, donc on devait être. Non, c'est en Californie. En fait, c'est les premiers. Ah, pas de Versailles, hein. Nous l'avons rencontré et je lui ai éliminé sa copine. Maintenant. Les standards part, les autres aussi savent remplir. Oui, alors donc, au fil des courses, on se rend compte de mon plus gros problème, c'est de savoir quand freiner, quand pas freiner. C'est un peu mon problème en fait, mais j'oublie. Bah, c'est pas très bon. Là-bas. Drôlement contre-sens. Ça pète. De bien piler pour pas me manger la bagnole. Oui, pour tout ce qui croit que les États-Unis c'est des grandes routes toutes droites là. Non, pas vraiment. Donc, dans ce jeu, c'est vrai que... Yep.
je me rends compte que sa bagnole a l'air d'être vachement plus à l'aise dans les états. Il risque de pas avoir assez d'avance dans la fin. Ça va être pas mal, je suis quand même bien. Mais il est tout pareil. Ah, oh, par contre, je me laisse jamais ces couleurs dans cette course. C'est très joli. Ah oui, les fameuses rambardes où je suis passé à travers la première fois. Ah ben, d'un coup, autant j'avais chié ma partie précédente, autant là. La Mila peut aller se rhabiller. Je vais vachement plus vite là. Les flashbacks de chrono, ça va dire. Ouais, rattraper le temps perdu. Youpi. Bon, j'avoue, je me moque un peu, hein, mais j'avoue, ça me fait plaisir d'avoir des grosses épreuves. L'étape d'avant m'a assez gonflé, pour être honnête. Oh, it's a trap! Mais non, c'est une Lamborghini. Bon, là, ça va être chaud patate. Ça devrait pas être bien dur, restez à l'écoute. Comme vous l'avez fait, je ne lâche pas. C'est étrange que j'ai pu prendre l'aspiration de la voiture de police. C'était trop rigolo. Écartez-vous. Je crois qu'ils sont percutés derrière. L'avant classe. Wow. Oh, le missile qui m'a dépassé. Bon bah si c'est pour faire ça, hein. Lui il commence à m'énerver, on va changer de tactique. Ah oh bah vous aussi vous m'énervez, attends. Ils sont mignons. Ah tiens, bim. Sympa la nouvelle tactique. Renfort, il faut vite arrêter ce type ou il va nous échapper. Bien compris. Ah, attention, je cogne à l'arrière. Barrage. Sacré coup de volant, le gaillard. J'ai des problèmes de voiture, je vous rappelle. Bon, bah là, c'était tout facile par contre. La petite espie à la fin, sur la voiture de police en plus, c'était trop bien. Non, on a été. Ça a roulé tranquille cette preuve là. Il fallait juste faire attention à la police. Mais bon, il y en a un qui m'a dépassé comme une balle. J'ai rien compris. Ça a fait. Ouf. Ça, c'est une idée. Mais j'ai pas pensé à utiliser le frein à main. Et voilà, l'étape 9 s'achève ici. Oui, vous l'avez constaté qu'elle est extrêmement courte. Bon, j'espère que la qualité sera meilleure. En tout cas, côté son, ça devrait être tranquille. On ne devrait pas être bloqué, puisqu'il n'y a plus de musique.
Et donc, pour la première fois, vous voyez cette étape, cet écran, pardon, puisque c'est le choix des étapes qu'on peut refaire une fois qu'on a fini. Et bah, là, j'étais un peu oublié de vous refaire l'étape 9. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut.